Ah, il a dit que c'est coulé. Comment tu fais pour savoir qu'elle est coulée? Non, mais elle est coulée. Son apparence me montre ça. Tu vois, avant qu'on continue de regarder la vidéo, je te fais gagner de l'argent. Tu télécharges l'application Ainsbet, tu prends mon code promo Prince Ibra. Je vais mettre ça en description là. 200% de bonus, c'est ton premier rechargement. Voilà. Hello les gars, ça va Yespé? Bon, je suis encore dans les rues d'Abidjan pour le jeu de l'amour. Mon gars, ça va? Oui, ça va très bien. Ton nom c'est quoi déjà? Fofana Ismaël. Ismaël? Oui. D'accord. Et toi ton nom c'est quoi? Marie-Ange. Marie-Ange. D'accord. Bon, déjà je veux savoir, Fofana Ismaël, dis-moi, ton genre de femme c'est quoi? Bon, une meuf un peu en forme. En forme? Un bon derrière. Un bon derrière? Voilà. Oui. Et puis une beauté sublime. Bien une sûr. Beauté sublime? Ouais, bien sûr. Ah oui? Ouais. Et clair ou noir? Peu importe. Peu importe. Ouais. Chrétien, musulman, ça passe. Ouais, ça passe. Ça passe aussi. Ouais. Est-ce que l'argent ça compte pour toi? Oui, l'argent ça compte pour moi. Ça compte parce pour toi? Que je vais prendre une go qui est coulée comme on le dit. Pendant que moi je suis debout, ça peut pas aller. Hein. Donc toi tu es debout? Ouais, très debout, très très bien. How are you telling me this? Ma chérie. Oui. Ça va? Ça va super bien. Ça va bien? Très très bien. Ton nom c'est quoi? Marie-Ange. Marie-Ange, tu vis où? À Angrais. À Angrais, d'accord. Et ton genre d'homme, c'est quoi? J'aime les hommes minces. Minces? Oui. Ils ont des abdos. Les abdos. Tu as les abdos? Oui. Ah oui, oui, oui. Grand de taille. Grand de taille? T'es noir. T'es noir? Oui. Chrétien, musulman? Peu importe. Peu importe? Oui. D'accord. Est-ce que l'argent, ça compte pour toi? Bien sûr. Avec le cœur même, ça compte. 1, 2 et 3. Déjà, retournez-vous. Retournez-vous, vous pouvez vous regarder. Ma chérie, est-ce que ce que tu vois là, est-ce que ça te plaît? C'est un beau gosse. C'est un beau gosse? Oui, il est beau. Tu avais dit que tu voulais aller à Abdo, non? Oui, mais il a gros ventre, mais ça fait rien, on peut faire avec. Ça va, ça va? On peut faire avec. Elle a dit ça passe, hein? Mon frère, oui. Dis-moi, déjà, est-ce que ce que tu vois, ça te plaît? C'est parfaitement bon. C'est parfaitement je suis bon? Avec le truc que j'aime bien derrière. Hein. Bah, il faut te retourner, ouais, il va regarder un peu. Ouais. Papa, enlevez un peu, le dis à Dieu. C'est beau, c'est beau. Ah ça. Ouais, ouais. Mon gars, il est quand même derrière, fait comme ça. Eh, déjà. Donc, comme ça. Donc, vous blessez déjà. Hein. Ouais. Ok, bon. Ça, ce sont les bases de l'amour. Donne-lui une note sur 10. Pour quelqu'un qui est debout. 8 secondes. Mm-hmm. Pour quelqu'un qui est debout, 8 mm-hmm. secondes. Mm-hmm. Mais comment tu dis qu'il est debout? Mais il a dit ça. Il a dit tout à l'heure qu'il est debout. Ah. Tu as dit qu'il était debout? Ouais, bien sûr. Donc tu es debout? Ouais, très. Et tu fais quoi de la vie? Je fais le café cacao. Ah! Ouais. Et oui! Pour le café à cacao a augmenté 2 jours là. Hein? Ouais, c'est ça. Donc, tiens, planteur. Ouais, c'est ça même. Ok, y a pas de problème. Bon, déjà, faut noter la chérie sur 10 aussi. 5, non. 5 sur 10. Ouais. Ah, j'ai pas 5. 5, juste la boîte, hein. Ouais, 5. Qu'est-ce que tu n'as pas apprécié dans son habillement? Bon, les chaussures qui sont en bas. Oui, oui. On voit, c'est un peu partout à Jami, ouais, mi-franc, ouais. Mi-franc. Mi-franc. Surtout, on dit le Samalando, Kemen Flafla. Kemen Flafla. Mais. C'est pas un bon truc. C'est pas adapté. Non, c'est pas un bon truc. D'accord, tu lui as donné 8 secondes, ma chérie. Dis-moi déjà, qu'est-ce que tu as apprécié sur lui? Bon, déjà, j'ai apprécié tout, sauf son ventre. Sinon, il est parfait. L'habillement, c'est parfait. Sauf son mais claquette, la mauvaise paix, c'est 2500 à jamais aussi. Et la monde! Alléluia! C'est 2500 à jamais, laisse-moi finir de parler. C'est 2500 à jamais. La montre, même, je ne sais même pas si c'est original. Mais à fois, il prend ça, c'est rien. Tu as checké la montre, je ne sais pas si c'est original. Non, parlant de la chaussure, elle peut vérifier, hein. C'est pas un problème. Hein. La montre aussi, elle peut arriver. Hein. Non, elle peut vérifier. Ah, bah là, non, lui, il est dans le même temps. Hein. Non, pas il passe aux vérifications, hein, parce que là, ouais, bon. Je trouve que à 16h, oui. Tu t'habilles. Plus à la mode. Mais ça, c'est. Là, c'est un premier rendez-vous. Vous devez venir un rendez-vous. C'est pas pour aller loin. Mais là, t'es venu en simplot, là. Voilà, léger, tranquille. Ok. Et toi, position 16h. Toi, t'es venu en simplot aussi. Ouais, léger. D'accord, c'est un premier rendez-vous. Vous avez décidé de venir en simplot. Qu'est-ce que tu peux apporter dans une relation? Genre, à part l'argent. Tu peux apporter quoi dans une relation? Elle demande à part l'argent. Qu'est-ce que tu peux apporter dans une relation? Je peux apporter tout dans une relation. Telle que aimer ma chérie, la chouchouter. Ça, c'est la base. Oui, oui. Voilà. Faites des petites sorties, des surprises. Ouais, c'est tout.
D'accord. Est-ce que tu as des enfants? Non, pas d'enfants. D'accord. Est-ce que toi, tu as des enfants? Non, j'ai pas. Tu n'as pas encore d'enfants? D'accord. Qu'est-ce que tu peux apporter dans une relation? Tu aussi réponds à la même question aussi, voilà. La compréhension. La compréhension? Oui. Apporter des idées. Des idées? Oui, des idées à entreprendre. Pas seulement aller bouffer l'argent, wesh. Oui, des idées à entreprendre. Toi, tu bouffes pas l'argent, mais tu fructifies l'argent aussi. Oui. Parce que ça, c'est important. Ça veut dire que tu as beaucoup d'argent. Robin n'a pas encore fructifié, mais elle attend pourtant de fructifier. Non, peut-être qu'elle veut vivre dans mon argent. Ça va rien. Ça fait beaucoup, hein? Ah ouais? Ça fait beaucoup. Tu veux être un debout et puis avoir une femme coulée. Au moins, tu dois me montrer au moins le minimum de ce que tu as sur ton compte. Là, comme ça, je sais que je peux plus t'aider. À du coup, t'as l'argent, non? Oui, moi, j'ai de l'argent. Mais ça fait... Non. Dans le même que tu as l'argent, t'as dit que tu peux apporter ce que tu peux apporter. Tu vois, dans le même que tu dis que je suis coulée, là, c'est pour rien. Tu peux m'aider à... Non, tu es coulée. Ah, il a dit que je suis coulée. Ah, mais... Il a affirmé que je suis coulée. Donc, tu es coulée, vraiment? N'est-ce pas? Moi, je prends tout. Toi, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis étudiante et puis je vends en ligne. Ah, mais tu n'es pas coulé. Tu vends en ligne, tu n'es pas coulé. C'est lui, il a dit que tu as coulé. Comment tu fais pour ça qu'elle est coulée? Non, mais elle est coulée. Son apparence me montre ça. Où elle est là, si tu lui dis. L'apparence est trompeuse. Non, l'apparence n'est pas trompeuse. Très, très. D'accord. Bon, dis-moi, combien est-ce que toi tu peux gagner par mois? Par mois, il peut gagner 1 500 000. 1 500 000? Oui. Moi, il ne gagne rien. Mais non, tu n'étais pas encore posé la question, ma chérie. Tu n'étais pas encore posé la question. Par moi, comment est-ce que tu peux gagner? Rien. Ça fait que mon gars, du coup, tu vois, comment ça arrive? Hein? Comment est-ce que tu peux gagner par moi? Rien. Rien, comment? Tu vas en ligne, non? Je vais en ligne. Donc, quand tu fais tous tes calculs, là, comment tu peux bouffer par mois? 100 000 par mois, c'est beaucoup. 100 000? C'est beaucoup. On te donne l'argent? Non, moi, mais il prend dans mon. Tu vas tout y prendre, en fait. Tu peux pas prendre tout pour dépenser. Ah. Il veut, tu vois. Ok, d'accord, bon. Ça marche, hein, bon. Je pense que c'est déjà bon, hein. J'ai envie de savoir, toi, tu t'habilles dans quel magasin? Il m'a mis à Store. Store, c'est où? C'est à Yopougon. Ah ouais? Et donc, on va faire un inventaire de ton habillement, hein. Ouais. Voilà, je veux savoir. La chaîne a coûté combien? La chaîne, ça fait 150 000. Hein? Ouais. Et le t-shirt? Le t-shirt, bon, il va quitter ici. C'est combien? On m'a envoyé ça de la France. Combien? 35 euros. C'est bon, disons dans les 25 000 là-bas. Ouais, bon, hein, environ 20 000. Et le pantalon? Le pantalon, 75 000. 75 000? Oui, France CFA. Ça fait déjà 245 000 et quelques, les claquettes. Les claquettes coûtent 50 000. Ouais, 295 000. Ouais. Et la montre? Bon, la montre, elle, je l'ai achetée à 300 000. Ça a vérifié, hein, sans problème. Donc là, il a bien près de 500 000. Ma chérie, les mèches ont coûté combien la coiffure? 50 000. 50 000. Et le t-shirt? 5 000. Ça fait 55 000. Et le... J'ai acheté à Jamais à 2500. 2500, 57 500. Le pantalon? J'ai acheté ça à 2000 aussi. 59 000. C'est ça, le... Comme il a dit à Jamila, c'était ce truc-là. Sinon, quand c'est sorti, il a payé ça à 5 000 aussi. 5 000. Donc, tu es dans les 70 000 et quelque là-bas. Hein. Mmh. Bon, ça marche, les 500 000, 70 000. Il n'y a pas de problème. Bon, déjà, moi, j'ai envie de savoir. On est presque à la fin de l'émission. J'ai envie de savoir un truc. Dis-moi, chérie. Au vu de tout ce qu'on a dit ici dans cette émission, hein, est-ce que toi, tu pourrais sortir avec lui? Non. Oh non. Jésus! Non? Oui. Pourquoi? Déjà, ils disent qu'ils ne sont pas avec les filles qui sont coulées. Moi, je suis coulée, donc je ne veux pas sortir avec quelqu'un qui est debout. Voilà, je veux sortir avec quelqu'un, oui. Je veux sortir avec quelqu'un qui est en dessous. Là, on va s'entraider pour monter. Pour monter, oui. Bon, mon frère, oui? Dis-moi, est-ce que toi, au vu de tout ce qu'on a dit ici, est-ce que tu pourrais sortir avec elle? Oui, je peux sortir avec elle, oui. Juste pour monter un peu ses grades en activité. Bon, un peu pour la rendre un peu debout. Pour la soulever un peu. Voilà, un peu, un niveau. Ou peut-être un peu matin, demain, tout comme ça. Uh-huh. Voilà. D'accord. Ok, j'ai un petit conseil à lui donner. Oui. L'argent fait tout, mais l'argent ne fait pas tout. L'argent fait tout, mais l'argent ne peut pas acheter le vrai amour. Voilà. L'argent fait tout, mais l'argent ne peut pas acheter le vrai amour. Et qu'est-ce que l'argent achète alors? Le matériel. Oui, oui. Tout ce qui est blim-blim. Uh-huh. Mais l'argent ne peut pas acheter le vrai amour. Donc le vrai amour, toi, tu vis ça sans argent? Ouais. On peut vivre le vrai amour sans argent. Ouais, j'ai vu le vrai amour sans argent aussi. Oui. Mais je ne peux pas chercher quelqu'un qui a plus de charges, plus que moi. C'est ce qu'on dit, il y a un proverbe qui dit. Uh-huh. C'est celui qui vit dans l'eau, qui connaît le nom de tous les poissons.
Donc là, vous voyez un peu. Hein, d'accord, ça. Bon. Aujourd'hui, là, c'est un non ici et un oui ici. Est-ce que vous pouvez apprendre à vous connaître à la maison, normalement? Vous pouvez continuer à apprendre à vous connaître. Est-ce que ça gêne pas? Parce que là, lui, il veut, toi, tu veux pas. Ça gêne 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 pas. Non, il peut dire. Retrouver notre juste sur le jeu de l'amour. Mais faut-il quelque chose? Il peut dire, faut pas se baser hein, oui, oui. Sur la richesse. Voilà. Que j'ai. Oui, oui. Voilà. Et puis, c'est. Et puis, bon. Peut-être qu'il va dire, il est trop debout. Oui, oui. Il va me maltraiter, uh-huh. Tout et tout. Mais bon, loin de tout ça. Ouais. Voilà. D'accord. Et puis, la rendre une femme heureuse tranquillement. Ça marche. Bon, retrouvez toujours sur le jeu de l'amour. C'est sur Prince Ibra Eros. On se retrouve sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok.